Je pense qu'on est passé maître dans la conquête du pouvoir, mais nous restons des analphabètes lorsqu'il s'agit de le partager. Pas le partager pour le partager de manière compatissante ou autre, c'est parce que tout simplement qu'une bonne décision, c'est le fruit de l'intelligence collective. On a décidé de décider ensemble. La démocratie, c'est l'affaire de tous. C'est de permettre aux différents points de vue de se fertiliser, de se donner le temps de mettre sur la table les désaccords pour construire progressivement des accords et construire progressivement des compromis dynamiques qui vont dans le sens du mieux vivre ensemble. La philosophie, c'est comment fertiliser des points de vue différents. Ça, c'est pour moi la dimension la plus aboutie de la démocratie. C'est pas l'affrontement, c'est la fertilisation des points de vue différents. On a travaillé à une forme d'écosystème dans notre commune qui essaie de valoriser, d'épanouir les trois grandes fonctions démocratiques, celle de la délibération, comment retrouver le sens du débat et dans le respect de la parole des uns et des autres, comment élaborer ensemble des propositions, c'est quand même cette fonction qui est le plus oubliée en France, et puis comment s'impliquer. Pas seulement s'impliquer par une décision politique, mais l'implication touche autant les organisations, les associations, les entreprises et les citoyens eux-mêmes. Et quand je parle de citoyens, c'est de dire des personnes porteuses et partie prenante du bien commun. Et cette question me porte vraiment l'idée qu'on est parmi les gens, et qu'on est de passage, et que l'important c'est d'avoir pu non seulement faire pour, mais avec les citoyens. On a essayé de travailler sur des séquences que j'appelle les Olympiades de la démocratie, ou les temps forts citoyens, où on met le paquet sur là, prenons le temps, chacun d'entre nous, de voir qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vision de notre ville. C'était en 98, c'est parlons ensemble de notre ville. Et pour susciter l'intérêt des habitants sur le questionnaire qui a été posé, je me suis moi-même déplacé en porte-à-porte du mois de mai au mois de septembre. En essayant de prendre en compte les petits problèmes du quotidien, on a trouvé les réponses. Et en contrepartie, j'ai demandé aux habitants de, voilà, moi je viens à l'écoute et ça, c'est le symbole de la ville qui veut être réactive. Mais en même temps, soyez partie prenante de la ville et donnez-nous votre avis sur l'avenir de la ville. Et c'est aussi l'idée de permettre ou de créer les conditions pour que chacune et chacun de notre commune puisse être copropriétaire de l'intérêt général et donc coproducteur de la décision. Et puis, en 2004, c'est sans doute le moment le plus important et évidemment, il a fallu beaucoup de maturation en équipe de réfléchir à ça. C'est pas venu comme ça. Hein. Nous avons lancé les états généraux permanents de la démocratie. Et ce qui est important, c'est la permanence. C'est l'idée de dire que la démocratie, c'est pas un coup. C'est pas juste un bulletin de vote, c'est pas une opération de communication, c'est permanent. C'est-à-dire que tout projet doit être susceptible de faire l'objet de séquences démocratiques où on associe les citoyens, les experts, les différentes ressources de sens. Donc cette dimension d'état généraux permanent de démocratie inaugurait l'idée que désormais la démocratie sera continue dans notre ville. Et en fait, ça rejoint la réflexion d'Anna Arendt, c'est que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, elle est naissance, elle naît. À chaque fois qu'il y a un sujet, ça doit faire l'objet d'une séquence démocratique. 2011, nous avons voulu décliner localement le pacte civique qui professe en fait qu'il n'y a pas de transformation durable s'il n'y a pas l'engagement à la fois des politiques, des citoyens et des organisations. Donc ça, c'est la prochaine étape. Ça, c'est donc les temps forts que nous avons réalisés. Ensuite, dans le quotidien, il y a des outils. On a engagé plein d'outils, le jury citoyen, conférence de consensus, forum ouvert, diagnostic en marchant. On a utilisé quasiment tous les outils possibles sur le plan de la démocratie construction. Donc parmi ces outils, c'est la création des conseils participatifs. Dans nos réflexions, dans nos allers-retours entre le temps de réfléchir et le temps d'agir, entre le temps du silence et le temps de l'engagement, c'est important que les politiques se donnent du temps de silence, qui est parfois anxiogène, mais c'est l'occasion de revisiter ce qu'on fait. Eh bien, dans ces pérégrinations-là, on a construit un outil qui s'appelle le conseil participatif, qu'on crée à partir d'une réunion débat instituante. On crée un conseil participatif qui sera celui qui va porter la coproduction des propositions. C'est-à-dire, on réunit à la fois un collège d'habitants, volontaires ou tirés au sort, pour chaque projet. Hein. Et la composition, il faut qu'elle soit plurielle pour permettre un débat qui régule. J'observe d'ailleurs qu'il y a aussi un rituel politique. Lorsque les conseils participatifs font des propositions conclusives, elles sont invitées, ils sont invités, les représentants des différents collèges sont invités au conseil municipal, dont je suspends la séance, pour qu'ils puissent exprimer leurs travaux et sur la base de ces travaux que nous délibérons. Pour moi, c'est très important, il faut avoir un impact réel entre la séquence de construction
la séquence de concertation et la séquence de décision. Et je sens que cette nécessité d'associer en permanence, sur tous les sujets, pas seulement par humilité, seulement par souci de l'intelligence collective, par souci de si on veut bien décider, il faut entendre l'expertise d'usage du citoyen, il faut entendre l'expert technique, il faut entendre celui qui a du sens, il faut entendre des personnalités qualifiées. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on ne s'est pas trop planté dans les projets qu'on a mis en œuvre et dans les investissements qui ont été les nôtres. Ça, c'est pour mieux décider ensemble. C'est important, ça mobilise les gens dans l'idée d'une démocratie lente, d'aller au fond du sujet, d'une démocratie interactive, d'une démocratie édifiante. Dans ces conseils participatifs, comment je passe du jeu responsable au nous solidaire? Comment passer du cas particulier, le mien, à l'intérêt général? Comment passer de la culture de l'immédiat au long terme? C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les générations qui sont à naître, qui sont déjà nos frères aujourd'hui. Et voilà, et donc ça change. Le rôle du politique, c'est qu'on ne fait plus pour les habitants, on fait avec eux. On n'est plus dans un face-à-face infantilisant, mais dans un côte-à-côte coproductif. On n'est plus dans le tout ou rien, mais dans le plus ou moins. Les Olympiades de la démocratie, 43% des habitants ont répondu. Ça veut dire que 43% des foyers ont consacré une demi-heure à réfléchir à l'avenir de la ville. Si ce n'est pas ça la démocratie construction, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est important que des moments comme ça. On a eu 40 conseils participatifs pour 40 projets différents, 700 habitants différents sur 10 ans. Ceux qui s'engagent, s'engagent vraiment de manière désintéressée. Il y a des gens qui se révèlent dans le processus de discussion, dans le processus d'élaboration, et qui, je pense, qui en sortent, qui sont différents quand on rentre, quand on sort. Mon rapport d'étonnement, c'est qu'il y a vraiment une logique de transformation sur le regard de la vie publique quand les gens sont acteurs. Permettre aux gens d'être autonomes dans leur projet. C'est ainsi qu'est né un projet associatif, les Chèdes, un restaurant éco-citoyen, avec une association qui est venue nous voir. Est-ce qu'on peut squatter un vieux bâtiment industriel pour y mettre un lieu de rencontre? Après, ils sont venus voir la mairie pour dire est-ce qu'on pouvait réhabiliter ce bâtiment? Gros débat en municipalité, et on a rajouté au débat d'orientation de mandat 1,5 million d'investissements pour réaliser ce bâtiment. Au total, c'est une association. On est en écoute de ce projet, avec 17 emplois créés, un restaurant associatif, une épicerie bio, un terrain mis à disposition pour alimenter avec une agriculture urbaine. Enfin bref, un projet qui s'inscrit dans la logique de Pierre Rabhi, enfin quelque chose qui a du sens et qui est devenu maintenant un lieu de rencontre de l'agglomération. Autre élément, on vient de mettre à disposition d'une association d'EcoFab Lab un bâtiment communal pour que les gens puissent à rentrer dans cette logique d'être acteur du recyclage, d'être dans l'économie fonctionnelle et solidaire. D'abord, je pense dans ma vie personnelle à une prise de conscience d'une forme de fragilité et qui m'a permis de m'appréhender peut-être plus humain. Et donc, ça m'a permis de travailler un rapport plus modeste au pouvoir, de me dire que finalement, l'élu que j'étais à conquérir le pouvoir, c'était une forme de... C'était en réalité, je pensais être fort, et en réalité, j'étais plutôt faible, parce que j'ai besoin de pouvoir pour avancer. Alors qu'en réalité, quand on arrive à mieux partager, on est dans le courage d'être, donc plus vrai et plus fort. Donc c'est cette dimension d'une forme de retournement personnel qui m'a beaucoup, beaucoup changé le regard sur la vie publique. L'idée qu'il y a 4 valeurs fortes, comment créer les conditions d'une société créatrice de sens, et il manque tellement de sens dans notre société, de sobriété, de justice et de fraternité. Ça, c'est, pour moi, ça nous porte ça. Et ça nous porte dans la déclinaison des projets à mettre en œuvre dans notre commune au quotidien. Quand on a lancé sur l'agglomération le plan climat-énergie territorial, et quand je le traduis dans le plan local d'urbanisme dans ma commune, c'est simplement la conviction de dire que ma commune est un coin de la planète et que nous sommes tous co-responsables de la survie de la planète et donc des êtres qui sont à naître. Ce que j'observe à la fois au niveau local et au niveau national, notamment à partir de notre pays, c'est que si on n'arrive pas vraiment à construire des compromis dynamiques, des compromis qui nous fassent avancer notre société, c'est que nous restons trop souvent dans l'entre-soi de chaque culture. Vous avez des spécialistes de la culture de l'utopie, ils vont faire des super bouquins, de beaux discours, mais ne s'engageront pas. Vous avez des gens qui s'indignent, mais qui ne veulent pas prendre en compte le principe de réalité. Et puis vous avez des gens qui s'engagent, mais à force de s'engager dans le cumul de mandats, ils ont oublié tout début d'indignation et d'utopie. Le désir de participation, il faut le susciter. Il est sans doute en nous, mais pour plusieurs raisons, notamment le manque de temps, mais aussi le manque de confiance en soi, les gens ne s'engagent pas.
et ne s'engage pas dans la durée. On est plutôt dans un zapping. Il y a toute une question sur laquelle on n'a pas porté notre attention, c'est la question de l'ingénierie démocratique. On est très fort dans l'ingénierie de bâtiments, de l'ingénierie hydraulique, tout ce que vous voulez, mais pas dans l'ingénierie qui consiste aux personnes à fertiliser les points de vue différents, justement. Et ça, c'est un métier. Et je sais que des gens comme Loïc Blondiot forment des Master 2 dans ce métier-là. Imaginez le maire d'un village, 300 habitants, le gars, il n'est pas formé au débat public. Après, il y a le discernement sur nos propres pratiques. Il y a le constat du fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés. Les limites de la démocratie électorale, comme si un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans allait alimenter la vie démocratique, comme si la complexité se réglait en mettant notre bulletin sur une personne pendant 6 ans, c'est quand même incroyable. Le diagnostic qu'on fait, c'est qu'il y a plein de bonnes choses qui se font, il y a des invisibles bienveillants, et on n'arrive pas, d'une part, à le verbaliser et à le mettre en synergie. Je pense que c'est une réflexion partagée en équipe sur comment passer d'une démocratie providentielle à une démocratie construction. C'est-à-dire comment on peut faire émerger ce potentiel citoyen qui existe en chacun d'entre nous. C'est ça le positif. C'est faire en sorte que sur toutes les décisions à prendre, sur tous les actes à poser, on puisse donner le meilleur de soi-même pour construire du commun. Je parle de démocratie construction plutôt que participative, parce que je trouve que c'est plus fort, c'est plus inclusif. C'est l'idée de dire qu'il n'y a pas d'un côté la démocratie participation et on donne un os à ronger à quelques habitants pour décider, pour réfléchir, et puis les élus restent à la décision. La démocratie construction, c'est qu'il y a un continuum entre la démocratie de réflexion, de concertation et la démocratie de décision. Au-delà du monde associatif, il faut créer les conditions de l'engagement citoyen, de faire en sorte qu'on puisse susciter du pouvoir d'agir citoyen. Donc l'idée, c'est que chaque occasion d'une prise de décision, chaque occasion d'un pouvoir d'agir citoyen doit être un moment de partage, un moment d'émergence des possibles. Et c'est un peu ça l'état d'esprit d'abord. C'est l'état d'esprit d'une équipe municipale qui considère d'ailleurs qu'il faut mettre plus de sobriété, c'est un des axes du pacte civique dans lequel je me reconnais complètement, plus d'humilité dans le rapport au pouvoir, et parce que c'est une condition sine qua non si on veut le partager. On est dans une démocratie à la fois lente, d'aller au fond du sujet, mais aussi transformatrice. C'est ça qui me paraît important. Un autre monde est possible là où nous vivons. C'est ça mon utopie qui m'habite. Et l'utopie en réalité, c'est quelle ville fraternelle on peut construire ensemble. Donc ces conseils participatifs, on les a affinés au fur et à mesure. Et il y a un certain nombre de conditions de réussite pour que ça marche, et pour que ça reflète vraiment une démocratie vivante, réelle, continue et effective. La première condition, c'est qu'on s'appuie sur la base démocratique la plus large possible pour chaque projet. Par exemple, pour l'aménagement de temps de l'enfant, tous les parents d'élèves sont invités, tous les enseignants, toutes les associations. Et c'est l'acte 1 de toute séquence, c'est le débat. Et c'est à partir de là qu'on crée un conseil participatif qui est représentatif des différentes collèges et des différentes ressources humaines. Donc, base démocratique la plus large possible. Deuxièmement, faisons attention à la représentativité, que ce ne soient pas toujours les mêmes. Et donc, sur les grands projets, on procède au tirage au sort pour qu'on ait une représentativité plus variée, qui représente mieux la société qui vient saint-moise. Je porte une attention particulière sur la préparation de chaque séquence démocratique. Et je demande à l'équipe projet, qui est formée toujours d'un élu, d'un collaborateur et d'habitants engagés, réfléchissez à comment solliciter, toucher le plus de monde possible. Réfléchissez à la façon dont vous allez co-élaborer les propositions. Est-ce que vous avez besoin de visiter d'autres endroits? Est-ce que vous avez besoin de faire du benchmarking? Est-ce que vous avez besoin de faire la formation? Et c'est une des conditions absolument indispensables, c'est-à-dire de retrouver le sens de l'éducation populaire. Au début de chaque séquence, il faut que tout le monde ait le même sens de même niveau de compréhension des enjeux et le même sens des mots. Ça, c'est très important. Si on part pas, si on consacre pas un temps, une ou deux séances à cette question-là, on n'avance pas. Donc, c'est la troisième condition de réussite, c'est retrouver le sens de l'éducation populaire, c'est-à-dire de partager les enjeux ensemble, de comprendre, de donner du sens à ce qu'on fait. Les deux, trois autres conditions de réussite des conseils participatifs, c'est d'une part, c'est l'idée que le maire, il ne peut pas être à l'alpha et l'oméga, il ne peut pas être dans la commande politique d'un projet à mettre en œuvre et dans la décision. Et qu'en plus, on n'est pas formé à animer le débat public. Et dans un des bouquins collectifs que nous avons co-construit en 2013, qui s'appelle « Faire renaître la démocratie », j'avais fait la proposition que dans chaque bassin de vie, auprès des élus intercommunaux ou communaux, on ait des ingénieurs du débat public
qui puisse animer le débat public, qui puisse éviter à ce que celui qui gueule le plus fort prenne le pouvoir, qui puisse travailler sur le consentement progressif, sur la sociocratie par exemple. C'est un vrai métier aujourd'hui. La dernière chose importante, et là c'est, ça touche à l'honneur du politique et au courage politique, c'est de quoi on va parler pour chaque séquence. Quel est le périmètre démocratique? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et dans, en réalité, c'est le départ du débat initial, c'est-à-dire au fond, quelles sont les règles qui sont posées, quel est le cadre dans lequel on peut s'inscrire. Cadre budgétaire, parce que tout n'est pas, il y a des limites dans tout. Cadre budgétaire, cadre juridique, cadre réglementaire. Et donc, il faut bien préciser le périmètre. Si on ne le fait pas, quitte à en débattre et à changer d'avis, mais si on ne le fait pas, on crée de la frustration. Ça, c'est conseil participatif, c'est très important. Je termine les propos pour vous dire que tout ça, c'est fait pour mieux décider ensemble. En 2015, j'ai observé que souvent, ceux qui participent, c'est souvent les mêmes, ce qu'on appelle les TLM, toujours les mêmes. Et donc, comment susciter plus d'intérêt pour les gens? Et donc, on a fait le pari de faire des propositions pour que les gens puissent faire ensemble, pas seulement décider, faire ensemble. Et on a fait le tour de la ville aussi avec des citoyens engagés qu'on appellera les agoracteurs à Guggenheim, des collaborateurs, des élus. Et on a fait le tour de la ville pour permettre aux gens de s'engager sur des projets qui seraient portés dans le cadre du pouvoir d'agir citoyen. Donc là, au contraire, les rencontres en quartier, c'est d'ailleurs d'accueillir les gens de manière conviviale, avec un pot. Ensuite, c'est les mettre en situation, en atelier, de voir qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qui est bien dans la ville aussi. Donc c'est de remplir d'une part les cahiers de doléances, c'est bien dans la continuité, l'esprit de la révolution, ça ne va pas dans ma rue, dans mon quartier, dans ma ville, il faut que les gens puissent le verbaliser, le dire, même s'il y a une colère, et puis ensuite ne pas dire, attendez, le maire il va régler les problèmes. Il y a plein de sujets qui sont l'objet d'une coproduction dans les réponses à apporter. Puis la deuxième partie de la soirée, c'est il y a tellement de bienveillance qui est invisible, qu'il faut peut-être verbaliser, dont on peut témoigner pour remplir le cahier de bienveillance. En d'autres termes, comment sortir d'une forme de sinistrose où les gens, à force qu'on les rabâche le monde qui va s'écrouler, eh bien de dire, ben non, le monde il est là, il est ici maintenant et c'est vous. C'est vous, c'est dans vos actes, c'est dans l'anonymat, dans l'arrière-garde de tel équipement, c'est dans la relation avec votre voisin, c'est le temps que vous donnez à accompagner quelqu'un à l'hôpital, c'est le fait d'être engagé dans notre association. Il y a tellement de bienveillance. Bien, valorisons. Il y a ce positif qui existe, ces énergies positives, il faut les valoriser. L'idée d'un lieu dédié à la citoyenneté. C'est la maison de la citoyenneté qu'on a construite en 2006. C'est la maison autant des citoyens que des élus. C'est la maison de toutes les ressources humaines, de sens, d'intelligence, d'expertise. C'est le lieu des trois fonctions de la démocratie, celle du débat, de l'élaboration collective, de la décision. C'est aussi le lieu, et j'aime le rappeler ici, qui essaie de fertiliser trois cultures qui sont en nous, qui existent entre nous, qui traversent la société française, qui sont chacune importantes, mais à force de les spécialiser, elles s'annihilent, elles se combattent, elles s'ignorent. Et ces trois cultures, c'est d'une part la culture de l'utopie, elle est tellement importante, la culture d'une vision, du projet, de ce qui est à advenir dans notre société. C'est vrai pour le destin personnel et c'est vrai pour le destin collectif. On a une autre culture qui est très importante et qui est essentielle, c'est d'être capable de s'indigner, la culture de l'indignation, de la résistance, du contre-pouvoir, de la critique. Culture très importante. Une troisième culture qui est celle de l'engagement, de la régulation, de l'acceptation du principe de réalité. L'idée, cette maison de citoyenneté, c'est quand même pas seulement un mur, c'est pas seulement un bâtiment, c'est ces trois cultures. On emprunte le parvis Jean Moulin qui représente la résistance, on traverse l'espace Jean Jaurès qui représente l'utopie, pour arriver à l'agora Pierre Mendès France qui représente cette culture de la régulation. Donc cette agora qui a été construite pour que les débats puissent se faire dans les meilleures conditions. On a mis de l'argent pour que les gens puissent être accueillis chez eux, dans leur maison de citoyenneté, pour délibérer, pour élaborer ensemble et ensuite pour décider lorsqu'il s'agit du conseil municipal. On a mis en place un certain nombre d'outils, notamment le plus important et qui a précédé un peu, qui a lancé un peu les budgets participatifs, c'est le fonds d'initiative citoyenne. C'est l'idée de dire que chaque fois que vous réunissez pour travailler sur des sujets d'intérêt général, par exemple de coopération avec l'Afrique ou localement, eh bien, on a un budget
qui correspond aujourd'hui à 5% du budget d'investissement et aussi à du fonctionnement. La charte du renouveau démocratique qu'on a votée au conseil municipal, qui consiste à dire qu'il faut désormais pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections que pour les élections, qu'il faut associer les citoyens au processus de décision, qu'il faut tenter de fertiliser les points de vue différents, qu'il faut soutenir, susciter le pouvoir d'agir et surtout qu'il faut être dans une éthique de la discussion. Comment réinventer, comment être copropriétaire de l'intérêt général, comment être coproducteur des décisions publiques. Donc on est dans cette sorte d'écosystème à partir d'un état d'esprit qu'on veut partager, c'est-à-dire plus d'humilité dans le rapport au pouvoir. Par exemple, on ne fait plus d'inauguration, on fait des temps d'appropriation par les citoyens eux-mêmes. Moi, je ne fais plus les vœux du maire avec devant 1000 habitants, mais plutôt les vœux de Kingersheim. Les gens se souhaitent la bonne année dans une ambiance conviviale, plus sobre, plus simple. Par exemple, nous tenons beaucoup à ce qu'il y ait de la justice dans ce qu'on fait, et pour notamment recruter du personnel, enfin parmi les jeunes candidats, lycéens, étudiants de la commune pour remplacer le personnel technique de la ville, on procède à un tirage au sort à la maison de la citoyenneté. Donc il y a un état d'esprit, ce que j'appelle une forme de légitimité par le symbole. Il y a une capacité, dès lors que les règles sont posées, de pouvoir débattre sereinement les uns avec les autres, de considérer les semblables à la fois différents et semblables, de voir comment la parole publique peut être portée par des gens différents, mais qui sont dans l'écoute. Donc, mon rapport d'étonnement, c'est qu'il y a un potentiel incroyable, mais qu'il nous faut encore susciter. On est en train de faire le bilan. On s'est rendu compte que 300 personnes sont inscrites, c'est peu par rapport à 13 000 habitants, et donc il faut aller plus loin. Et là, la prochaine étape, c'est les rencontres en quartier, qui n'ont rien à voir avec les réunions de quartier, où on met en scène le maire magicien, fournisseur et les habitants clients, et qui finalement se réduit à poser des questions sur les crottes de chiens, les problèmes de voisinage, etc. En gros, statistiquement, c'est une personne sur six qui accepte de participer dans la durée. C'est les freins qu'on rencontre. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment réfléchir. Quels sont les freins? C'est le temps, la disponibilité, c'est l'autocensure, je ne suis pas capable d'eux, ou c'est l'idée, le maire, je lui ai fait confiance, la délégation de pouvoir, c'est à lui de trouver la solution. Que les gens viennent avec la culture de l'utopie, voire de l'indignation, et rarement avec l'idée du principe de réalité. C'est que le principe de réalité, c'est qu'on a des moyens limités, on a une jurisprudence, on a tout cela à prendre en compte. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis même en train de dire, avec beaucoup de modestie, qu'on est au début de quelque chose. Et qu'on rame à contre-courant. On rame à contre-courant de ce fondamentalisme marchand, de la marchandisation des consciences, du système ultra-libéral qui fait que l'économie est reine, que l'argent est roi, et que face à ça, on a quand même on a des effets de résistance terribles. L'état d'esprit, c'est surtout pas d'être dans des certitudes, mais d'être de tout le temps se remettre en cause et de tout le temps reposer les questions qui fassent dynamiser l'écosystème. Je suis en responsabilité depuis 1989. Le premier mandat a été fait pour faire des choses, pour bouger la ville. Et à partir de 1995, j'ai pris conscience de la nécessité d'associer davantage les citoyens. Donc à partir de 1995-2018, vous voyez, c'est presque 30 ans de réflexion sur le terrain, d'engagement et de disponibilité et un état d'esprit en fait de partage avec les habitants. Si on n'a pas cette utopie, si on n'a pas ce courage politique de dire que c'est là, ici et maintenant, dans nos communes, que les choses vont bouger, vont se lever, qui va le changer? Donc je crois à la fois à la dimension internationale d'une gouvernance mondiale qu'il faudra bien un jour inventer, regarder la question des migrations, etc., et en même temps au local. Et je crois que c'est cette double approche, à la fois locale et universelle, qu'il faut prendre en compte.